Rencontre. Nous avons la joie, auditeurs de Radio Espérance, d'accueillir aujourd'hui à notre micro Marie Cabot-Ménet. Elle est docteure en littérature comparée, vous êtes diplômée d'Oxford. Vous êtes également philosophe et vous avez travaillé notamment sur Simone Veil. Bonjour Marie Cabot-Ménet. Bonjour. Cependant, l'ouvrage pour lequel nous vous avons invité n'a rien à voir avec ces sujets universitaires. Vous publiez en effet chez Teki Une grossesse tant désirée, qui est parue l'année dernière, je crois. Et je voudrais que vous nous disiez peut-être dans un premier temps, je pense que ce livre est lié à votre histoire personnelle. Votre couple a souffert et souffre de l'infécondité, ou plus exactement de l'hypofécondité. Et je crois que c'est ça qui vous a amené à écrire ce livre. Est-ce qu'il s'agit d'un besoin de partager cette expérience ou la découverte que d'autres, et beaucoup d'autres, souffrent de ce problème et que vous avez besoin de le partager ? C'est une bonne question. C'était moins un besoin personnel de partager, mais de plutôt aider les autres couples et leurs familles de savoir comment affronter, de porter cette croix, de mieux la vivre que je ne l'ai vécue au début avec mon mari. Car comme beaucoup de couples, quand nous nous sommes mariés, nous avons pensé que les enfants nous viendraient comme ça, sans problème, qu'on aurait une grande famille. Et après un certain nombre d'années, on s'est rendu compte que malheureusement, ce n'était pas le cas. Et j'ai lu les documents de l'Église au sujet de l'infécondité. Et je les ai trouvés très justes et très bonnes. Mais en même temps, ils ne m'ont pas aider spirituellement comment vivre cette épreuve du jour au jour. Et à ce moment-là, j'ai donc écrit une première version de ce livre en anglais en 2006. Je n'ai rien trouvé à ce sujet. Voilà, maintenant j'en suis à la version française une dizaine d'années plus tard. Donc c'est un sujet qui a beaucoup grandi avec moi. Nous avons eu la joie d'avoir une petite fille après 9 ans de mariage. Mais vivant depuis une infécondité secondaire, ça veut dire que nous n'avons pas pu avoir d'autres enfants vivants jusqu'à présent. Donc nous continuons à vivre cette épreuve tout en ayant cette grande joie d'une petite fille. Et voilà, donc ça me tenait à cœur de peut-être aider d'autres couples et leurs familles qui souvent se sentent démunis, ne savent pas quoi dire ni faire, et de donner un point d'orientation, aussi partageant mon témoignage. Pourtant, après lecture de cet ouvrage, une première question vient assez vite à l'esprit. Pourquoi ne parlez-vous pas de l'adoption ? Oui, alors là, ça se voit que ce livre est quand même issu de mon expérience. C'est que l'adoption même est aussi une vocation que nous n'avons pas ressentie, et j'ai rencontré pas mal de couples qui vivent cette même épreuve et qui sont dans la même situation. Donc, de ce fait-là, je pensais ne pas pouvoir en écrire de manière pertinente. Je crois que cette solution est évidente pour tout et chacun qui cherche à avoir un enfant. En même temps, j'en parle quand même dans mon livre qu'elle mettons une réponse qu'on ne doit pas non plus offrir au couple comme étant la solution, comme si cela enlevait leur épreuve. Parce que bien oui, bien sûr, ça leur permet d'être parents. Ils peuvent toujours en souffrir du fait qu'eux n'ont pas réussi eux-mêmes biologiquement d'avoir des enfants, même s'ils aiment leurs enfants adoptés aussi autant que qu'ils auraient aimé leurs enfants biologiques. Quelles sont les principales causes de l'infertilité connues aujourd'hui ? Alors, ceux qui sont connus, c'est un manque d'ovulation chez la femme, peut-être une obstruction des trompes de Fallope, un déséquilibre hormonal, l'endométriose. L'endométriose, c'est une infection, une inflammation d'une partie de l'utérus. Et chez certaines femmes, même s'ils n'en ont pas beaucoup, cela peut provoquer une infécondité. Chez d'autres, ils en ont beaucoup et ils réussissent quand même à concevoir. Donc c'est assez mystérieux. Sinon, des avortements et des maladies transmises sexuellement. Aussi la contraception hormonale, surtout si l'on a pris pendant un certain temps, peut au moins
pour une certaine période, causer une infécondité. Donc, faut bien préciser, infécondité ne veut pas dire stérilité. Beaucoup de couples en France vivent à certains moments une infécondité qu'ils peuvent très bien guérir ou dépasser. Mais les couples qui sont stériles ont donc, par exemple, manque d'utérus, les trompes complètement bloquées, savent, souvent on peut leur dire, vous n'aurez jamais d'enfant. Voilà. Chez l'homme, ça peut être un manque de sperme ou une rareté de sperme. Et puis sinon, il y a quand même un grand domaine qui reste mystérieux, 20% environ des causes, on n'est pas sûr. On dit bien sûr, il ne faut pas fumer, il ne faut pas trop manger de mauvaises choses. Voilà, il y a plein d'autres raisons, mais on ne sait pas exactement, ça reste dans le flou. Et on ne fait pas assez de recherches aujourd'hui pour continuer, puisqu'on a recours à la FIV. Justement, vous parlez de la nuance entre stérilité et infécondité. Alors du coup, quelle est la nuance entre infécondité et hypofécondité ? Ah, c'est la même chose. Donc c'est tout simplement qu'on a une fécondité réduite. Mm-hmm. Et ça peut être ou l'un ou l'autre, ou souvent c'est les deux. On a tendance à croire que le problème réside avec la femme, mais non, c'est autant l'homme que la femme. Et autant ça peut être la combinaison de cet homme et de cette femme-là qui ont tous les deux une hypofécondité et qu'ensemble, ça rend cela plus difficile de concevoir un enfant. Quand on est confronté à cette difficulté, à cette souffrance, est-ce qu'il est possible facilement de savoir les causes personnelles ? Ou est-ce que la médecine a encore des difficultés ? Est-ce que les cas dont vous parlez sont finalement des cas assez généraux ? Et est-ce que personnellement, on arrive à savoir et donc du coup à traiter ? Alors là, je peux seulement partir de mon expérience personnelle et de celle de beaucoup de femmes avec lesquelles j'ai parlé. Et beaucoup ne savent pas pourquoi elles sont infécondes ou pourquoi leur couple est infécond. Ce qui est d'un côté très frustrant parce qu'on ne sait pas quoi faire. D'un autre côté, ça permet l'espoir pour un couple qui sait qu'il est stérile. C'est très, très dur à porter dans les médias. Mais en fin de compte, ils ont ce deuil à faire tout de suite. Pendant que le couple qui pense, qui espère encore avoir un enfant, passe par ce deuil, en même temps toujours en espérant qu'il répétera encore un enfant, et ne peut pas se poser d'une certaine manière. Une question me vient également à l'esprit. Comment avez-vous écrit ce livre ? J'ai l'impression que vous avez dépassé votre cheminement personnel et que vous êtes allé enquêter, si le terme est exact, auprès de beaucoup d'autres personnes. Alors oui, j'avais commencé avec mon expérience pour dire au couple, voilà le genre de choses que j'ai trouvées fort utiles, d'autres spirituellement stériles. Et aussi pour aider la famille. Ça c'était le début. Pour la question de la FIV, j'avais écrit un petit chapitre plutôt du point de vue anthropologique, éthique, théologique. Mais comme ce n'était pas une option pour nous, ce n'était pas pertinent au début. Personnellement, j'avais trouvé justement que l'Église avait très bien répondu à la question de la FIV, donc je n'en sentais pas la nécessité. Mais en parlant justement avec beaucoup d'autres gens, parce que on rencontre d'autres couples qui ont cette souffrance et c'est vrai que tout de suite on se partage, on se sent compris. J'ai vu que pour eux, la FIV était plus une possibilité, dire une tentation, que peut-être même il l'avait mal vécu, on avait beaucoup souffert. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je cherche plus loin, que je fasse un peu une recherche journalistique. Déjà de voir qu'est-ce que la science peut nous dire aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va en parler plus tard, mais on n'a pas fait suffisamment d'études scientifiques sur ce domaine, mais il y a quand même des études et il est mauvais de ne pas en parler, parce que je pense que ça donne déjà des pistes aux couples. Et voilà, je trouve justement que l'étude anthropologique est confirmée par ces études-là, en montrant que justement, pour le bien de la personne, pour le couple, pour celle de l'enfant, la famille n'est pas un chemin de vie. Pour être sûre d'avoir bien comprise, vous avez dit à plusieurs reprises que comment on sait des choses sur les causes de l'infécondité, mais la science ne sait pas tout et qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais qu'on a l'impression que c'est parasité par la recherche sur les FIV. Ça veut dire que la science se focalise beaucoup plus sur ça et finalement pas sur des méthodes ou une recherche plus positive sur la fécondité pour essayer de la guérir.
Est-ce que j'ai bien compris ? Oui, oui, vous avez très bien compris. C'est ça ce qui est malheureux. La science est vraiment lancée dans la fibre, la fine, la perfectionne, etc. Et pense que c'est là la solution. Mais le problème avec la fibre, déjà, n'est qu'elle ne guérit pas de l'infécondité. Elle produit un bébé pour vous dans un laboratoire, mais vous, vous souffrez toujours d'infécondité. Et pour le prochain bébé, il faudra retourner pour faire la fibre. Sauf si par hasard, vous êtes guéri ou le problème s'est résolu tout. Demain, toute seule, voilà. Et nous parlerons sûrement plus tard aussi d'un médecin, le docteur Hodges, qui a développé une méthode bien plus prometteur que la FIV et qui justement déplore ce fait qu'on fait très peu de recherches. Et qu'en fin de compte, la FIV nous met dans une situation qui n'est pas meilleure que celle des années 50-60 du point de vue traitement d'infécondité. Alors justement, venons-y. Vous dites dans votre livre que globalement, les taux de réussite, c'est-à-dire avoir un bébé, c'est ça, un taux de réussite, sont apparemment pas tout à fait équivalents. C'est peut-être un petit peu plus élevé pour les naprotechnologies, nous y voilà, que pour les FIV. Cependant, la différence n'est pas non plus, si j'ai bien compris, du tout au tout. Pour quelles raisons, et vous le développez longuement, et c'est très bien écrit dans le livre, pour quelles raisons faut-il mieux orienter un couple vers les naprotechnologies ? Est-ce que vous pouvez développer les avantages de l'un, les inconvénients de l'autre ? Bien, je dirais déjà d'un point de vue complètement neutre, donc pas un point de vue éthique, c'est formidable pour un couple de pouvoir se dire on va se faire guérir, on va avoir un enfant nous-mêmes, c'est ce qu'on veut, on va chez le médecin pour se faire guérir. Voilà, donc c'est ce que la naprotechnologie tente de faire. La FIV, quoi qu'on dise, est quand même une méthode très très difficile à porter. Pour la femme surtout, mais pour le couple en général, donc retirer les ovocytes, la fécondation, l'implantation, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, le retir des spermatozoïdes de l'homme qui doit le faire par masturbation dans une chambre de l'hôpital, etc. Enfin, il y a plein de facteurs qui, pour le couple, sont très très désagréables. Là, pour la naprotechnologie, on essaie de guérir l'homme, la femme, les deux, pour qu'ils puissent avoir un bébé normalement. Voilà déjà ce qui est très très positif. Sinon, je pense que on peut quand même dire qu'il y a plus de succès. Alors ça dépend quelles sont les causes de l'infécondité. Mais prenons par exemple l'endométriose. Là, donc pour la fille, vous avez si vous faites plusieurs cycles, donc la femme doit passer par plusieurs cycles d'essai avec des fausses couches entre temps. À la fin, vous aurez entre 20 et 30% de chances d'avoir un bébé. Voilà. Avec la naprotechnologie, vous aurez 56% de chances. Ça, ce sont les données des États-Unis où ils ont utilisé la naprotechnologie déjà depuis dizaines d'années et ont fait des recherches. En France, on n'a pas encore suffisamment de données parce que ça existe ici depuis assez peu de temps. 81% des femmes qui souffrent d'anovulation, donc qui ont des problèmes d'ovuler, ont un enfant. Si on essaye, ce qui commence pour la naprotechnologie, on commence d'abord avec une méthode de planning familial naturel. Donc la femme, si elle ne le sait déjà, apprend à comprendre son cycle quand elle est féconde, mais c'est encore bien plus sophistiqué que la méthode Billings tout en lui ressemblant. Voilà, donc une fois qu'elle a fait ce cycle une ou deux fois avec un moniteur, déjà un médecin peut regarder ce cycle et voir, ah, il y a un problème ici. Pour certains couples, il peut être que le moment de fécondité est très très court. Donc déjà entre 20 et 40% des couples qui souffraient d'hypofécondité, quand ils utilisent cette méthode, conçoivent un bébé dans les premiers 6 mois. Mm-hmm. Ça c'est super. Les couples qui ne souffrent pas d'infécondité, 76% conçoivent dès le premier mois. C'est aussi un taux formidable. Et puis c'est seulement si ça ne marche pas et si le médecin voit il y a quand même un problème d'hormones, alors il traite avec des hormones ou bien il se rend compte qu'il y a un problème d'endométriose. Voilà ce que le docteur Hodges a découvert, que souvent un petit peu d'endométriose déjà pouvait causer cette hypofécondité. Il faut dire que l'endométriose est un problème auto-immunitaire, une maladie auto-immunitaire. Donc la femme en souffre de multiples manières. Quelquefois, c'est asymptomatique, donc elle ne le sait pas, mais souvent, elle a quand même des symptômes, une grosse fatigue, des grosses douleurs, des grosses crampes, etc.
Voilà, donc déjà de se faire traiter si on souffre de ce problème, c'est formidable pour sa santé générale. Et si en plus on peut avoir un bébé et un bon nombre de bébés après, rien de mieux. Bon, cela étant dit, ça peut aussi être un traitement à la langue. Il faut quand même compter 2 ans de faire les différents tests, les démarches, peut-être faire une cœlioscopie, une chirurgie, avant de dire « bon, maintenant on va aboutir à un bébé ». Donc c'est pas rien non plus. Mais en même temps, comme je disais, on se fait guérir en même temps et on va concevoir un bébé naturellement. Vous développez, j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus quand même quelques instants, parce que ça me paraît important, un argumentaire fourni qui montre les méfaits ou les inconvénients lourds de la FIV, tant pour la femme, pour l'homme, mais aussi pour le couple. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus, sachant que vous développez un argumentaire enraciné dans l'enseignement de l'Église, qui est intéressant, qui peut être partagé par beaucoup. Oui, absolument. Alors, je parlais déjà du fait que cette technologie est très lourde pour le couple. La femme doit recevoir des injections d'hormones assez importantes qu'elle ressent psychologiquement, souvent pendant un certain temps. Après, il y a quand même un taux élevé de fausses couches par rapport. Il est vrai qu'aussi les couples qui essayent naturellement peuvent avoir ce problème de fausses couches. Mais bon, pour la FIV, c'est vraiment, il y a 20 à 30% de taux de couches. Et ça, ayant déjà vécu l'infécondité, c'est très très lourd à porter. Après, différentes recherches ont montré que sur le couple, ça pouvait avoir un problème néfaste. Alors, il y a cette étude assez connue aux États-Unis qui s'appelle « My daddy's name is donor ». Alors, le nom de mon père est donateur. Et cela compare les enfants issus, nés naturellement, conçus naturellement, ceux qui sont adoptés et ceux qui ont été conçus par FIV et en plus par un don de gamètes. Donc c'est un peu plus spécifique. Et on s'est rendu compte que bien que le taux de divorce n'était pas plus élevé chez les personnes qui ont eu recours à un don de gamètes et à la FIV, ce qui était intéressant, c'est que ce divorce se faisait assez vite après ces essais qui ont abouti ou non. Pendant que normalement, souvent, le taux de divorce était assez tôt, au début du mariage. Mmh. Donc on a l'impression, du moins, ça semble montrer que cette expérience-là est un poids très très lourd à porter. Et pour le couple, on a aussi beaucoup de témoignages de personnes qui disent que ça a été trop, trop dur pour eux et que le couple, on a beaucoup souffert et peut-être même qu'ils se sont séparés. Donc ça, il faut bien se rendre compte que c'est pas une petite promenade dans le parc qu'on en croit faire. Après, pour les enfants, ce qui est intéressant, là, je dirais aussi, c'est le témoignage. C'est le témoignage des adultes aujourd'hui qui souffrent du fait qu'ils sont issus de la FIV. Alors, certains disent le fait qu'ils ont été conçus dans un laboratoire, par des médecins, dans un endroit stérile et froid, et pas dans un moment d'intimité de leurs parents, c'est quelque chose de très, très et très douloureux pour eux. Ou bien un autre témoignage, c'est de dire une femme qui disait « Mes parents ont refusé le poids de leur souffrance, ils l'ont transféré à moi. » Et moi, je dirais, pendant que l'infécondité est une tragédie humaine, et ce l'est vraiment, ça brise le cœur, ça a l'impression de votre vie, on est complètement retourné, ce n'est pas la même chose que la FIV, qui est une objectivisation de la personne. Vous instrumentalisez l'autre, donc vous allez contre la personne au plus profond, à un moment très, très important, qui est le début de la vie. Et c'est là où vous pourrez être des parents absolument formidables, sinon, et je ne dis pas que les parents qui ont conçu leurs enfants dans la FIV sont des mauvais parents, au contraire, je suis sûre qu'ils sont formidables, mais il y a eu un problème au début de cette conception de l'enfant. Et ça, c'est un
péché contre l'enfant, c'est un péché contre l'amour. Et ça, c'est très grave, puisque nous dépendons de l'amour pour bien développer. On se rend compte aujourd'hui comme c'est important ce que l'enfant vit dans le sein de sa mère. On lui fait écouter de la musique, la maman, le père lui parle, toute la famille lui parle, etc. On se rend compte des traumatismes qu'ils peuvent avoir. Voilà, et voilà un énorme traumatisme dès le début. Bon, on peut dire, mais l'enfant, on se rend compte de rien. Le fait d'une injustice est faite, qu'ils s'en rendent compte ou non, et souvent, quand même, il y a les enfants après qui ont le sens qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Par exemple, il y a le cas d'une petite fille racontée par un psychologue prénatal qui parlait d'un rêve qu'elle faisait, qu'elle avait 6 frères et sœurs qui étaient dans une cave noire où il faisait très froid et qui criaient. Elle disait, je ne sais pas, 3 frères, 3 sœurs, je ne vois plus le nombre exact. Voilà. Et les parents en étaient choqués parce qu'ils n'en avaient jamais parlé devant la fille à leur fille, qu'elle était née par la fille et qu'il y avait justement d'autres enfants qui étaient encore congelés. Donc voilà un autre problème, les enfants congelés. En France, il y a quelques années, le nombre était estimé à 170 000 enfants qui sont congelés, dont 30 000 sont des orphelins. On ne sait plus qui sont les parents parce qu'ils ont déménagé, ils n'ont pas gardé le contact, etc. Donc quelle est cette méthode qui est prête à sacrifier des enfants pour en avoir un tant désiré? Il y a quelque chose dans la mentalité. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou, si vous regardez, l'an 2010, on avait passé le cap de 45 millions d'enfants dans le monde entier qui avaient été conçus par la fille. Alors, combien d'enfants sont nés? 4,5 millions d'enfants. De 45 millions d'enfants. Vous vous rendez compte de ce nombre? Combien d'enfants on a sacrifié? 40 millions d'enfants pour en avoir 4,5 millions. C'est extraordinaire, c'est une hécatombe médicale qu'on accepterait pour aucune autre procédure médicale. Donc je dirais au couple, faites très attention à fond, avant de faire votre choix. Regardez bien les données, parce que ce que vous allez faire aura un impact sur le futur, aura un impact sur votre enfant. Et bon, il y a des parents après qui décident, qui l'en parlent très ouvertement à leur enfant. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça semble être meilleur que ne pas en parler, parce que les enfants se rendent compte sinon qu'il y a un secret au sein de la famille, qu'il y a quelque chose qui est pourri, qu'ils ont du mal à faire confiance. Mais en même temps, même en leur parlant, ça a toujours l'effet. Donc, je ne dis pas que tous les enfants qui sont issus de la fille seront traumatisés. Non, ce n'est pas le cas, et les études qu'on a jusqu'à présent ne le démontrent pas. Donc, je ne veux pas faire peur non plus. Mais en même temps, je crois que c'est un bon indice qu'il y a un problème éthiquement, anthropologiquement, avec cette méthode. Peut-être une dernière question, et qui n'est pas des moindres de celles que vous abordez dans votre ouvrage, dont je rappelle les références, « Une grossesse tant désirée », paru chez Teki. Vous dédiez ce livre plus quasiment à l'entourage des couples qui vivent l'infécondité qu'au couple même, d'une certaine manière. Parce que le couple infécond souffre pas mal des commentaires ou des hésitations ou des maladresses de l'entourage. Et vous préconisez, vous invitez l'entourage finalement à ne pas aborder la question pour éviter de faire souffrir le couple qui souffre d'infécondité. D'après vous, n'est-ce pas peut-être entretenir le tabou d'un sujet qui est déjà peu abordé, qui est douloureux? Alors déjà, je dirais que je ne parle pas plus à la famille qu'au couple, mais c'est aussi en parlant à la famille que j'aide le couple, voilà, pour mieux porter leur infécondité. Alors oui, ce que je dis à la famille, c'est de ne pas aborder le sujet, parce que ça peut être très douloureux pour le couple, qu'il y a tout et chacun qui leur demande alors comment ça va, quelles sont les raisons, etc., quand ils ne veulent pas en parler. Cela étant dit, il ne faut pas tourner autour du pot non plus. On peut dire très simplement, écoutez, on est là pour vous. Si vous voulez en parler, on est là, mais ne vous sentez pas du tout obligés. Donc, de leur laisser une grande liberté. Il y a des fortes chances à ce moment-là qu'ils vont se tourner vers l'un ou l'autre dans la famille ou parmi leurs amis pour leur en parler. Il ne faut surtout pas mettre de la pression sur eux, dire ça fait déjà un bon moment, là il ne serait pas temps de passer outre, soyez moins égoïste, pensez aux autres, ou un tel, il a perdu un enfant, c'est bien plus grave, il est tellement courageux, vous n'êtes pas courageux, ce genre de choses.
ça enfonce le couple et lui permet pas de faire son deuil. Parce que voilà un des points centraux que je fais, c'est qu'il faut faire son deuil et qu'il y a beaucoup de moyens de l'éviter sans s'en rendre compte, en étant stoïque, en s'apitoyant sur soi-même, ce qui n'est pas un vrai deuil, en se lançant dans plein d'activités professionnelles. Je ne dis pas que les activités professionnelles ne sont pas bonnes, absolument, il faut les faire, mais bon, ça peut être un moyen d'échapper au problème. Donc j'essaye d'essayer le coup d'aider le couple et la famille de pouvoir aider le couple, de le porter avec compassion, d'en faire un cheminement fécond, ce qui peut l'être, et quand même un chemin d'espoir, même si c'est un chemin aussi de la croix, donc qui est très très douloureux. C'est sur cette note, effectivement, d'espoir que vous terminez votre ouvrage, puisque vous abordez des questions spirituelles également, la manière avec laquelle on peut porter cette croix et cette souffrance de l'infécondité avec le Christ et dans cette espérance. Beaucoup d'autres questions auraient mérité d'être abordées. Malheureusement, nous arrivons trop tôt à la fin de l'émission. Je vous remercie beaucoup, Marie Cabot-Ménet, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle aux auditeurs, encore une fois, les références de ce livre que je vous invite à lire, à faire lire, à offrir. Une grossesse tant désirée, parue chez Pierre Tecky. Merci beaucoup, Marie, d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation à vous. Merci beaucoup. C'était Rencontre.